Loué soit Jésus-Christ qui nous a appris ce que aimer veut dire. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Monsieur Arnaud Dumouche, professeur de religion en Belgique, enseigne que l'Église propose aux personnes mariées, abandonnées par leurs conjoints sans faute de leur part et qui se sont remariées civilement, de continuer à vivre leur adultère sous le couvert d'une pseudo-humilité ou spiritualité dite du publicain. Le publicain de la parabole, se tenant au fond du temple par humilité, se frappait la poitrine de componction et fut finalement justifié par Dieu. Monsieur Dumouche invite les personnes dites divorcées remariées à imiter cette attitude extérieure de pénitence, c'est-à-dire à se reconnaître pécheresse, se tenant au fond des églises, ne communiant jamais, mais sans pour autant cesser de pécher sexuellement. Monsieur Dumouche affirme textuellement que le publicain ne peut pas ne pas pécher. Or, ceci est totalement faux. Collecter des impôts, même pour l'occupant romain, ce qui était l'office du publicain, n'est pas en soi un péché. Ce qui était un péché était de profiter de sa situation pour voler. Et si le publicain a été justifié, ce n'est pas seulement, comme veut le croire M. Dumouche, parce que celui-ci s'est reconnu pécheur, mais encore et surtout parce qu'il a décidé de ne plus pécher et de rendre ce qu'il avait volé. La bonne nouvelle que n'annonce pas M. Arnaud Dumouche est que les personnes abandonnées par leur conjoint ne sont pas condamnées à commettre l'adultère. Le sacrement de mariage est justement là pour leur en donner la grâce, pour peu qu'elles vivent dans la foi. M. Arnaud Dumouche, accommodant péché et sainteté, enseigne la voie large et spacieuse qui conduit à la perdition. D'ailleurs, on ne voit pas comment la fidélité pourrait être glorifiée et la miséricorde s'exercer en faveur d'un conjoint infidèle revenant demander pardon et trouvant le lit conjugal occupé par un remariage. Bref, si la fidélité conjugale est capitale aussi bien pour le salut des époux que pour celui de la société qui en dépend directement, il n'y a rien d'étonnant à ce que la doctrine irréformable de l'Église sur l'indissolubilité du mariage, pour laquelle saint Jean-Baptiste a donné sa vie, soit l'objet d'attaques incessantes et même jusqu'au sein des paroisses. Moi-même, à plusieurs reprises, j'ai eu à subir la persécution pour l'avoir défendue. Une nouvelle fois, j'avertis M. Arnaud Dumouche du devoir moral pesant sur lui de réparer le péché de scandale causé par son enseignement.